Salut à tous, c'est Oriane Jean-François. C'est Mickaël Acardia. C'est Noémie Carrage. Aujourd'hui, on est au Paris FC et c'est moi qui vous présente le mag. Tout à l'heure, on ira voir Hélène Fercoq, Julie Dufour, Célina Oudgossine. Mais ça, c'est pour plus tard. Arkema le mag, le best-of. C'est parti. Cette semaine, dans le best-of de Arkema le mag, Inside avec Le Havre. Interview croisée avec Célina Oudgossine, Julie Dufour et Hélène Fercoq. Et le portrait de la défenseur de l'Olympique Lyonnais, Ellie Carpenter. Ok guys, let's go. Donc la première chose, c'est de confirmer les premiers points que vous avez gagnés à la maison. J'aimerais que vous soyez toutes récompensées, bien sûr, de vos efforts de toute la semaine. Et vous le méritez. Maintenant, il faut qu'on aille le chercher, parce que dans le football, il n'y a pas forcément le mérite, il faut aller chercher. Je ressens que l'équipe, elle progresse. Okay, c'est super important de montrer que maintenant, qui vous êtes. Affirmez-vous dans ce championnat. Let's go, guys! C'est avec du gel, en fait, tu trempes la brosse dans du gel. Ouais, et après, tu plaques tes cheveux. Tu prends la brosse à dents. Mais vous êtes lavé les dents avec ou pas? Bah, t'es con ou quoi? Pas trop, hein. Non. Et après, tu étales sur tes cheveux, hein, pas sur ta gueule. Et si on gagne, il faut faire ça tous les matchs. Ah ouais, c'est propre, hein. It's time to show who you are. Ok? Es el momento de demostrar qué tipo de... De equipo somos, estamos. Allez, c'est parti les filles, allez. Let's go guys, no one is going to give us this win. So we have to work together, we have to give it all, and we have to do our best, and we're going to get these 3 points. C'est Marine, Marine! Allez, 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 allez. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace, on peut faire des choses. We can do things. OK? L'attitude, elle est bonne. On est là, on se bat, on se défend. Ce que j'aimerais, c'est qu'on crée un peu plus de danger encore devant leur but. Move the ball faster, OK? And play forward. Come on, guys. Il reste 45 minutes, on reste positif, les filles. Allez. Je suis déçue, je sais pas les mots vraiment. On s'est battu, ça a pas payé. On peut pas être satisfaite quand on gagne pas. Contre un concurrent direct, sachant qu'on joue le maintien. C'est dur de perdre 1-0. Parce que vous faites un match cohérent, dans les intentions, dans l'idée, voilà, on avance. What you did today was better than what you did against EC. OK? So we will keep on progressing, we will keep on working, and be ready for the next game, ok? Come on, guys. On a eu l'état d'esprit qu'il fallait, mais parfois ça suffit pas. Il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus, ça viendra. J'ai aimé l'état d'esprit, j'ai aimé ce qu'elles ont fait. Elles sont super investies, elles sont super dynamiques, elles ont envie de faire les choses. Et c'est ce qui est dur dans ce métier, c'est qu'on travaille honnêtement vraiment bien dans la semaine. Mais après, derrière, le week-end, bah, vous tombez sur d'autres adversaires qui se préparent aussi bien, qui s'entraînent aussi bien et qui, à un moment donné, bah, vous récompensent pas. Voilà. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, elles soient récompensées de tout ce qu'elles font parce qu'elles le méritent. On va retrouver la jeune pupille du Paris FC qui a fait ses classes au Paris SG, Célina Oudgossine. Salut Ariane. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Je vous présente, mesdames et messieurs, pam 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 pam, Julie Dufour. Salut. J'espère que vous êtes prêtes à l'accueillir. Attention, Hélène Fercoq, c'est parti. Salut Nono, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes qualités? Bon, je sais pas, à toi de me dire. Je dirais que t'as la joie de vivre, que t'es tout le temps souriante.
et que tu apportes du peps dans le vestiaire. Ton plus grand défaut, c'est quoi? Les gens me disent que là, je suis un peu une mamie, je me couche tôt, je me lève tôt, je travaille, je mange, je dors, je fais du foot et il n'y a pas d'autre place dans ma vie. Donc. Mais c'est pas forcément un défaut non plus, hein, c'est chacun... C'est vrai. Ouais, mais contrairement à Nono qui fume, qui boit... Ouais. Vas-y, toi. T'as marqué cette saison? Oui, j'ai marqué un but. T'es un des top 3 des plus beaux buts? Ouais, je crois, ouais. T'as eu le droit à un petit surnom, est-ce que tu peux nous en faire part? Mon surnom ici c'est Ficello. Et pourquoi on t'appelle Ficello? Parce que comme vous pouvez voir, j'ai une carrure énorme. C'est pour ça qu'on m'appelle Ficello. Ah, tu te lèves lourd à la salle. Ouais. Ta célébration, qu'est-ce que tu fais quand tu marques? Alors le problème c'est que je marque pas beaucoup. Lance-toi, imagine tu viens de marquer. Ok, je frappe, je marque. Alors Dieu, tu comprends pas? Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta superstition d'avant-match? Elle est très bizarre, mais je dois tout le temps mettre ma chaussette droite avant ma chaussette gauche et mon crampon droit avant la gauche. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu prends énormément de temps à te préparer. Non, arrête. Ah si, si, arrête. Quand tu sors, il faut que tes chaussettes soient bien mises. On dirait que tu vas au festival de Cannes. Mais, toi, on dirait à chaque début de match, t'es en déprime. T'es avec tes écouteurs. Tu calcules personne? Bah je suis dans mon monde, c'est normal. Quel est le mot que tu cries le plus en match? Ça vient! Ouais. Et toi, Nounou? Ouais, j'en ai pas. Dégage! Ton geste technique préféré? Mon petit crochet, il passe toujours. Attends, tu pourras le faire, s'il te plaît? Je suis partie là. Oh, t'es partie loin. Si t'avais pas fait du foot, qu'est-ce que tu aurais fait comme sport? Alors comme sport, j'aurais fait probablement de la natation, parce que j'en ai fait pendant 8 ans quand j'étais petite. Je peux t'appeler Norma Nodou alors? Si tu veux, mais là j'ai perdu un peu les bases. Ah, dommage. Est-ce que tu as un surnom? Ma mère m'appelle ma pucette. Oh. Pas si, on peut le dire. Voilà, c'est tout. Putain, je me suis affichée là. Ma pucette, t'as vu? Bon, voilà, ça se termine. Comment tu m'as trouvé? Comment tu t'es trouvé également? Je trouve qu'on forme un beau duo. Une bonne collaboration et s'est trouvée particulièrement bienveillante, donc c'était très agréable. On vous laisse, à très bientôt sur les terrains. Ciao, ciao. Salut. In shape for the training, Eddie? Yeah, I'm feeling good. It's blue sky, sunny, so it's nice. The soleil is out. I'm Australian. I arrived in Lyon last year in July. I hope being here can push me to becoming, you know, one of the world's best footballers. Je m'appelle Ellie Carpenter. J'ai 20 ans. Défenseur à OL. It all happened pretty quickly. I was with Portland Thorns in America, and my agent let me know that there was interest and it could be a possibility to come here. The club made it happen, so I'm very happy to be here. At first, it was quite difficult. Now I can understand most football terms and speak football terms as well to the players on the field. J'ai parlé français. Elles comprennent tout là, ça va. I think being in my position, you have to be, you know, quite athletic and, you know, get up and down the pitch and defend and attack as well. So I love being able to do both in my position. I'm quite explosive. I like getting forward and getting crosses in. I think that's a big part of my game and I enjoy doing that as well. Ellie's one of the fittest, fastest players that I've played with. So much energy, she can get up and down the pitch all day. She's great for the team. Great to get along with. She brings sunshine to this place. Aww. So yeah, she's fun. She's a fun girl. Really? How was the training? It was good, but the end was hard. C'est dur. Beaucoup couru. No, but nah, c'est bien. Entraînement. We'll go to the French lesson now. The biggest probably transition would be obviously the language barrier and the difference between that, but I got straight onto the French lesson, so yeah, getting by now, but that was probably very difficult in the first couple of months. Ah! This is where the magic happens.
Qu'est-ce qu'on dit en français? Bah, français, professeur. Enjoy the class. Merci. All right. Allez. So what's the plan for this afternoon, Annie? Tell me. So this afternoon, I have an interview with the club, with OL TV. So it should be fun. Are you used to it? The cameras, the media? Yeah, I guess it's all part of the job, being a footballer, and you know, the media comes with it as well. So it's sometimes nice to, you know, do those things as well. Hi. I think it's, yeah, an amazing country, and Lyon's a beautiful city, and yeah, I'm very happy here. I love my job, and it's so cool to be able to call it my job, is, you know, going to work every day and, you know, doing what I love. It's so cool, and never take it for granted, because could be, you know, doing worse jobs in the world. Yeah, very grateful for that. I guess it's pretty cool to be here, and I'm so young and have so much of my career ahead of me. But yeah, just, you know, like to stay grounded and keep doing what I'm doing, and not, yeah, look too far ahead. Just, you know, focus on the now and what I, you know, need to accomplish. Obviously, OL is, you know, the best female football club in the world. Such a fantastic club and organisation, and obviously have, you know, quality players and world-class players here. Coming here, I definitely wanted to improve on, you know, my technical side of my game, and I think coming here, even being here for 6 months, I've, yeah, improved so far. So I'm excited to see, you know, how much more I can improve being here. Et voilà, derrière le mag, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter sur une petite musique de Midas, Party with Jagaban. Et j'espère qu'on se reverra bientôt sur le terrain. Ciao. Ciao, ciao. Derrière Kema, le mag, saison 17. Merde, pardon. Je suis plutôt une joueuse technique qui a de la vitesse. Oh non, j'ai bugué, punaise. Ça va aller dans le best-of. J'espère que vous avez été contents d'être... Oula. En tout cas, je me suis... Oh, vas-y là, non. Dire que le mic, tu es en 3. Là, là. C'est pas pour moi. 1, 2, 3. Non, non. Quand tu vas voir la télé, je suis comme ça.